Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où on va répondre à une question qui a été posée suite à la vidéo de questions-réponses sur les fibos, à savoir toi Corentin. Et tu voulais savoir en gros quelle était la démonstration et qu'est-ce que était la superstition du pigeon. Alors d'abord je vais parler de la superstition du pigeon en tant qu'expérience. En fait c'était une expérience qui cherchait à prouver qu'on a toujours besoin de créer un lien de causalité. Donc en gros, d'intellectualiser un peu tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait mérite quelque chose, une récompense, une punition, etc. etc. Et rien n'arrive en gros sans qu'on l'ait mérité. Et donc comment ils ont fait pour mettre en place ce lien de causalité, enfin pour mettre en avant ce lien de causalité? Ils ont enfermé des pigeons dans des boîtes et les ont conditionnés, de telle sorte à ce qu'à chaque fois que le pigeon avait faim, ils appuyaient sur un bouton. Et en appuyant sur ce bouton, la nourriture tombait. Déjà, prouesse d'apprendre ça à un pigeon. Bon, ça fonctionnait, du coup, à chaque fois que le pigeon avait faim, bim, l'action, donc c'était appuyer sur un bouton, et la réaction, c'était la nourriture. Et du coup, au bout d'un moment, les pigeons ont assimilé, bien évidemment, le principe de l'action et de la réaction. Donc je fais quelque chose et j'obtiens une récompense. Et j'obtiens cette récompense parce que je fais ça. Si j'avais fait autre chose, je n'aurais pas eu cette récompense. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré le bouton. Et à la place, ils ont mis un mécanisme automatique. Et du coup, par exemple, toutes les 10 minutes, la nourriture tombait. Et ils se sont rendus compte que les pigeons avaient adopté des comportements vraiment assez intéressants. Pour justement démontrer l'existence, hein, dans les cerveaux même reptiliens, du principe de causalité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement mis un minuteur. Donc toutes les 10 minutes, la nourriture tombait. Et les pigeons se demandaient, je ne comprends pas. La nourriture tombe et je sais, pourtant j'ai rien fait, j'ai pas appuyé sur un bouton, donc c'est peut-être quelque chose d'autre. Et du coup les pigeons ont commencé à réfléchir, ouais. Et les pigeons qui, juste avant que la nourriture tombe, battaient des ailes, se sont dit tiens, c'est peut-être parce que j'ai battu des ailes que la nourriture tombait. Les pigeons qui bougeaient le cou ou qui faisaient je sais pas quoi, ont eu du coup la même réflexion, c'est peut-être parce que j'ai fait ça, que c'est difficile de parler quand on fait ça, essayez chez vous. Donc peut-être que quand le pigeon faisait ça, il a cru comprendre que c'est grâce à cette action que la nourriture tombait. Et le fait est que toutes les 10 minutes la nourriture tombe, donc forcément ça permet au pigeon de continuer sa croyance. Parce que s'il pense qu'à chaque fois qu'il bat des ailes, la nourriture tombe, et qu'effectivement, toutes les 10 minutes, le pigeon a faim, il bat des ailes et la nourriture tombe, il n'y a aucune raison que le pigeon se dise « bon, c'est autre chose que le fait de battre des ailes qui me donne la récompense ». Et c'est ça qu'on appelle la superstition du pigeon. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous avez une récompense, mais en fait, cette récompense, elle vient pour une toute autre raison que ce que vous avez fait. Mais votre cerveau, lui, il fait le lien de causalité. C'est parce que vous avez fait ça que vous avez la récompense. Alors en termes de trading, ça s'applique comment? Alors je vais prendre un exemple tout bête. C'était le sujet de ma première conférence que j'avais faite il y a bien longtemps pour FXM au Palais Brongniart et qui était justement basée sur ça. Donc en gros, il y avait une tendance baissière sur l'euro-dollar australien en daily. Okay, la tendance, elle avait démarré, je ne sais pas combien de temps, enfin, elle avait duré en tout 3 semaines. Et l'idée, c'était de démontrer aux gens la superstition du pigeon. De dire qu'en gros, la plupart des traders pensent que c'est leur technique qui fait que ça génère des gains ou leur manque de technique qui fait que ça génère des pertes. Et du coup, dans un marché qui est baissier, on avait analysé donc pendant 3 semaines différents signaux. On avait mis sur des graphiques 1 heure l'Ishimoku, on avait mis des stochastiques, on avait étudié des figures chartistes, on avait même, pour faire la liaison avec Fibonacci, tracé plein de retracements de Fibonacci. On avait aussi mis les setups que moi j'utilise, donc sortie de compression, des pullbacks, hein, des trucs tout simples. Bref, on avait étudié 5 ou 6 différentes méthodologies. Ces 5 ou 6 méthodologies, puisqu'en fait on suivait à chaque fois la tendance baissière daily et que la tendance baissière daily avait duré 3 semaines, en fait on générait des gains. Et du coup la question qu'on se demandait c'est qu'est-ce qui a généré des gains? Est-ce que c'est le fait d'utiliser l'Ishimoku? Est-ce que c'est le fait d'utiliser le stochastique? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des étayés, des figures chartistes à droite à gauche, des Adam, des Eve et tout ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le fait finalement d'avoir suivi une tendance et, très important, que cette tendance ait duré 3 semaines? Parce que si je suis une tendance qui dure que quelques jours ou même pas une journée, je ne pourrais pas faire de gains. Donc la question c'est, la récompense elle vient d'où?
d'une cause extérieure, c'est-à-dire une tendance qui existe et qui dure, plus d'une cause qui est un peu liée à notre trading, c'est-à-dire le fait de suivre cette tendance, ou de notre propre action de prendre des trades à cet endroit, cet endroit, cet endroit, en accord avec notre stratégie. Alors du coup, Corentin, et les autres, quel rapport avec les Fibonacci et Tutti Quanti? Alors d'abord, regarde, je vais te proposer une petite expérience que tu peux recréer chez toi et que tout le monde peut recréer chez soi et qui permet de se vraiment poser la question de la pertinence ou non des niveaux de support résistance et notamment du coup des Fibonacci. Alors je vais te demander de me croire hein, parce que voilà, tu peux pas vérifier, enfin quoi que je peux montrer en fait mon visage. En fait là je vais fermer les yeux et je vais au hasard, je vais quand même regarder où je clique. Et je vais au hasard en fait tracer des niveaux de support résistance, ok? Donc je ne regarde pas, hein. je fais complètement au hasard. Et c'est parti. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon, je crois que j'ai tout tracé. Ok. Donc là je viens de tracer de manière complètement aléatoire, sans regarder, sur l'Eurodoll, je crois. C'est ça. Avec d'ailleurs un super trade de l'espace dessus à l'achat, achat en bas d'un range, là, là. Donc j'ai tracé complètement hasard. Maintenant moi ce qui va m'intéresser, c'est dès que j'ai le focus, voilà, c'est de regarder où est-ce que mes traits tracés purement au hasard tombent. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ce niveau là, là, il a arrêté le mouvement ici et il a arrêté le mouvement ici aussi. Je remarque que ce niveau qui est là, il a arrêté le mouvement là, là, et même là où j'ai pris mon point d'entrée. Je remarque que ce niveau a arrêté ma tendance. Que ici, cette tendance a été arrêtée à ce niveau-là. Que ce niveau-là a arrêté et a créé ce range. Ce niveau-là m'a même donné quasiment le plus bas. D'ailleurs, ici, on a rebondi dessus. Et quand on regarde un peu plus haut, regarde. Ce niveau a arrêté le mouvement, lui quasiment, lui, il a soutenu la baisse récente qu'il y a eu sur l'euro-dollar. Et là, actuellement, l'euro-dollar, il est entre ces niveaux. Est-ce que vous vous rendez compte que sur ces niveaux qui ont été pris complètement au hasard, si j'avais utilisé une stratégie de cassure ou de rebond, j'aurais gagné beaucoup d'argent. En tout cas, j'aurais pu faire une super série de trades. Et pourtant, ces niveaux ont été tracés complètement au hasard. Maintenant, on va prendre des fibos. Bon, les fibos, ils sont là. Et pareil, hein, donc je vais tracer par exemple de ce point-là à, à ce point-là, ok. Et donc il y a différents niveaux de FIBO. Donc il y a les 23,6 qui sont ici, d'accord, et qui sont mélangés d'ailleurs avec ce niveau de support essence que j'ai tracé purement au hasard. Il y a le niveau des 38,2 qui est ici et qui, encore une fois, par pur hasard, est quasiment le même que ce niveau-là. Il y a les 50%. Pour les 50%, c'est pas un truc de la suite de FIBO, bien sûr, hein, c'est juste un chiffre sort du chapeau. Puis il y a les 61,8 qui sont ici. Bon. La chose que l'on peut remarquer, c'est que les 38,2 ont donné comme point, par exemple, mon trade. C'est-à-dire que si moi je tradais avec les Fibonacci et que j'aimais trader les rebonds sur les 38,2, j'aurais acheté ici. Oui, mais voilà, ce niveau des 38,2, en fait, si je l'ai acheté, c'est parce qu'il correspond en fait à un niveau de support résistance. Ok, je vais effacer tout ça. Hop, j'efface un peu tous mes petits traits. En fait, là, ce que je fais, c'est, c'était pas des niveaux de support résistance avec le tracé, c'est des projections du market. C'est assez pratique comme outil. Donc là, j'efface un tout petit peu tout ce que j'ai tracé. Donc finalement, en fait, le trade que j'avais ici, qui est ici, à cet endroit-là, je ne l'ai pas acheté parce que c'était les 38,2 de je ne sais pas trop quoi. En fait, c'est tout simplement que j'avais une tendance qui était neutre, d'accord, et on était dans la partie basse de mon range et j'avais un billet acheteur. Donc c'est tout. Donc bon, j'achète la partie basse point barre. Ça correspond effectivement au 38,2. Je vous mets au défi de trouver un niveau de Fibonacci qui, en fait, peu importe la manière dont vous le tracez, ne touche pas au moins un sommet, un creux, etc. On pourrait tracer les niveaux de Fibonacci complètement au hasard. Et pourtant, il fonctionnerait. Un autre truc également, Corentin, c'est que les niveaux de Fibonacci, finalement, ça dépend énormément de la manière dont tu les traces. Et quand tu dis que les marchés, enfin je dis pas que tu dis, hein, je parle de manière générale, quand les gens disent que les niveaux sont respectés, etc., ok, mais quel niveau? Parce que si les marchés respectaient vraiment les niveaux de Fibonacci, il faut les tracer correctement et de la même manière que quasiment tout le monde. Donc est-ce que je vais les tracer de ici
à ici, ou à ici, à ici, à ici. Et puis là, j'ai un broker, là, les cotations CFXM. Mais je pense que tout le monde ici sait que bah, des fois, les cotations d'un broker à un autre peuvent changer. Et surtout, encore plus important, les cotations qu'on a des FXM et des brokers pour particuliers peuvent être quand même légèrement différentes des cotations que peuvent avoir des institutionnels qui, a priori, utiliseraient les Fibonacci parce que X ou Y, et du coup, les traders investiraient dessus. Donc, si tu veux, la superstition du pion, si je dis dis-tu, parce que j'ai l'impression de parler qu'à toi. Mais... Voilà, Quentin. Si tu veux, voilà pourquoi, en gros, les marchés ne prennent pas vraiment en compte les Fibonacci, ou en tout cas, bon, il y a toutes les raisons dont que j'ai expliqué la dernière fois, mais surtout, voilà ce que c'est que la superstition du pigeon qui est appliquée hein, au trading. Tu vois, c'est pas parce que ça rebondit sur des niveaux de Fibonacci que ce sont les niveaux de Fibonacci qui fonctionnent. Tout simplement parce que tu peux tracer des niveaux complètement au hasard et ça fonctionnera tout le temps. Alors, je vais te montrer un autre truc que j'avais fait il y a pas longtemps. Alors, je ne peux pas pouvoir le faire sur cette plateforme. Voilà. Zoomer. Voilà. Je vais tracer encore pire, genre des cercles. Ok, je vais tracer des cercles de manière complètement aléatoire. Ensuite, je vais tracer des traits qui vont, mais de manière complètement aléatoire. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et ben, tu sais, tous ces cercles, j'aurais pu en fait les trader. Je pourrais dire, bah tiens, regarde, ce cercle-là, il me donne le point le plus haut quasiment sur l'euro-dollar. Et il me donne également les points les plus bas. Ce cercle-là, regarde, c'est le grand-là, il est encore plus puissant. Regarde, voilà, il faut que vraiment que je zoome. Voilà. Regarde, il va chercher ce point-là, tous les points ici, ce point-là. Et finalement, il est cassé ici après avoir encore rebondi ici. Et regarde tous les traits que j'ai fait, mais par pur hasard. Hein. Et qui se croisent tous à ce méga point, et juste après ça fait une magnifique baisse, et juste après la cassure on a une magnifique hausse. Donc tu vois, j'aurais pu trader pendant ce cercle. Alors, regarde, là j'ai tracé au hasard, hein, cette droite là, elle touche tous les niveaux, j'aurais pu acheter par exemple ici avec cette droite. Cette droite là, tiens, au hasard, celle-là elle touche quasiment rien. Bon, celle-ci, regarde, c'est une droite qui a soutenu également ce point là, cette baisse là, puis cette baisse là. Cette droite là, elle a touché ici également, et également ici. Enfin, tu vois, tous les trades que j'aurais pu prendre sur ces niveaux. Donc si tu veux, la démonstration, elle est que c'est que de la superstition du pigeon. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui fonctionne, enfin, lorsqu'il y a un marché qui rebondit, c'est pas parce qu'il rebondit sur un niveau de Fibonacci ou sur le trait d'un cercle ou quoi que ce soit, que c'est grâce à ce niveau que le marché rebondit. Voilà, je vous laisse à tous réfléchir là-dessus. Fin de la vidéo, je vous dis à bientôt. Pour d'autres vidéos sur les questions-réponses, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à commenter également. Pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.